Стартап Стартап مرحبا بكم في برنامجكم ستارت اب من بعد شويه باش على برنامج هيلو باش على مبادره من ايسك دونك يجي يسري مسمودي بالنسبه لهيلو باش نستقبلوا امري وباش نستقبلو ايضا مريم السلامي برنامج هيلو اللي يعتني جوستومون اليوم باش يحاول يقرب الاستثمار من لي ستارت اب وخاصه لبزنس بزنس انجل بارلون بزنس انجل باش نبداو الان في برنامجكم مع ضيفنا يجينا من الجزائر ابراهيم بوازا كوفونداتور نتاع مغرب دياسبورا بزنس انجلز و وكاسبا بزنس انجلز اول غزوة بزنس في الجزائر باش نطرح عليه عديد الاسئله كيفاش اليوم ان بزنس انجل يسوق مع لي ستارت اب يلقى معناتها لي ستارت اب كيفاش يعمل اول استثماراته كانك تسمع فينا وتخمم تولي بزنس انجل كيفاش جوستمون تاع استثمارات كلولا كيفاش ستارت اب تنجم تتحصل تمويلات من عند الايدجلز وكان ما تحصلتش شنو يصير؟ نهايه العالم شنو يصير؟ كان ما تحصلتش تشارك في راوند وما تنجمش تتحصل على تمويلات من عند بزنس انجل. ايسكو ستارت اب اليوم وقتاش ستارت اب اليوم ال بو لوفي فلوس بصفه عامه وخاصه من عند بزنس انجلز شنو مالي لي كونديسيون الى اخره برشا اسئله باش نحاولوا نختنموا فرصه وجود سيبايم كي تري معناتها خبره كبيره كما قلت من وجوه الاستثمار في المغرب

donc, on va continuer en français. Euh, monsieur Bahim Mbouazak, comme je disais, donc on, va commencer, tiens, on va commencer déjà très rapidement à présenter le Maghreb Diaspora Business Angels Network. cofondateur avec... <coughs> moi, je connais déjà avec Norman Ferry parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est ça. En fait, l'initiative de, de réseau Maghreb Diaspora Business Angels Network est venu de la volonté de créer un réseau maghrébin parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la libye la tunisie le maroc et l'algérie et l'idée c'était de rassembler nos forces et d'identifier en fait des partenaires dans chaque pays et de créer ce premier réseau de business, business angels maghrébins qui permet de réunir à la fois les business angels de la diaspora, c'est-à-dire les, les, la diaspora, qu'elle soit tunisienne, algérienne, marocaine ou libyenne, les Aïchaf el qui vivent donc à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, euh, ou dans le Moyen-Orient, et en même temps de donner cette, la possibilité aux startups qui sont issues de ces pays soit dans ces quatre pays soit à l'étranger de pouvoir recevoir un investissement. Donc c'est un réseau qui est vraiment spécifique Afrique du Nord et c'est le premier réseau euh, vraiment qui euh, concerne l'Afrique du Nord qui est spécifique à l'Afrique du Nord parce qu'on s'est rendu compte que c'est facile pour c'est beaucoup plus facile pour un marocain ou un algérien d'investir dans une start-up tunisienne et vice-versa. Que parfois d'avoir un investisseur américain qui ne connaît pas grand chose à l'Algérie ou à la Tunisie, ou pour qui c'est l'environnement est un peu est différent en fait euh, de ce qu'il peut trouver en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a beaucoup de gens de la diaspora, des business angels de la diaspora, mais aussi dans ces pays-là qui pourraient investir dans ces startups-là. Ils connaissent l'environnement euh, des affaires de ces quatre pays. Il y a assez de similitudes et ils connaissent aussi pour ceux qui sont dans la diaspora l'environnement le, euh, européen, américain ou du Moyen-Orient. what well هذا بالنسبة للمغرب دي اسباب بزنس ايجلز نتوورك، فوزافي دونك اليوم سي ان ريزو كيما قلت انت تاع استثمار تاع دي انجلز ملاك استثمار معناتها وبالاساس موجه كيما قلت انت للأشخاص من المغرب العربي اللي عايشين لبرا دونك اليوم باش ينجموا يتلموا في مجموعة ويستثمروا مع بعضهم. كاسبا بزنس ايجلز أول ريزو تاع بزنس ايجلز في الجزائر، اليوم شنو هي الأنشطة تاعكم؟ كي سون دي اكتيفيتي؟ D'investissement en Algérie. Comment ça, euh, si on peut à travers vous découvrir un petit peu la scène algérienne, l'écosystème algérien, comment ça se passe hein? Alors l'écosystème algérien, je vais essayer de le résumer. En fait, cette initiative de Kasba Business Angels Network, elle est née d'une volonté de la diaspora algérienne qui vit dans la Silicon Valley aux États-Unis, à San Francisco, euh, de construire un pont avec l'Algérie et avec. Euh, donc, des volontaires algériens en Algérie de constituer donc ce premier réseau de business angels d'apporter donc la culture de l'angel investment en Algérie euh, avec l'expérience de ces entrepreneurs algériens et, et tunisiens parce qu'on a razi Ben Utman, qui, qui qui nous a beaucoup aidé qui, est, donc, euh, euh, manage, qui était manager de Utic Ventures un, un capital risque en fait basé dans la Silicon Valley qui a beaucoup aidé le réseau Casbah Business Angels à se lancer en Algérie de son expérience et donc d'autres entrepreneurs algériens et l'état actuellement de l'investissement c'est que c'était très difficile au début pour nous de sourcer des startups de qualité à cause de l'écosystème qui était on va dire naissant mais depuis 2019 nous avons un écosystème qui a énormément changé avec euh, donc euh, grâce à, au, à, une, à une une orientation politique en faveur des startups qui a vraiment beaucoup bénéficié à l'écosystème et maintenant on est déjà à six investissements et on a euh, deux investissements en cours actuellement et on est vraiment très confiant pour le reste de l'année c'est-à-dire d'avoir euh, environ quatre investissements qui vont se réaliser d'ici décembre parce que l'écosystème maintenant nous permet d'avoir de la qualité de start-up qui répond aux besoins des investisseurs les investisseurs se sont beaucoup plaints euh, il y a plusieurs années de ne pas avoir des start-up de qualité dans lesquelles ils pouvaient mettre de l'argent voilà. ouais. euh... Alors, euh, aujourd'hui, il euh, y, y a des initiatives euh, de, de l'État en Algérie. Il y a même un fonds dans lequel des banques publiques ont, ont mis de l'argent, euh, doté, je pense, de plus de 500 ça. millions. Euh, 500 millions de dollars, c'est ça, c'est le de voilà, donc pour, 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 pour l'investissement, etc. Euh, mm. Comment vous voyez des synergies entre la Tunisie et l'Algérie Comment peut-être des start-up tunisiennes peuvent bénéficier de ces investissements Parce que, voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des choses à rectifier Est-ce qu'il y a des choses à faire Je vous remercie pour votre question parce que ça me permet de répondre en deux temps. Le, le premier temps, c'est déjà les synergies en Algérie entre les investisseurs privés et les investisseurs publics, l'ASF, qui est un fonds récent mais qui est doté d'une grosse frappe de, force de frappe pardon, financière, avec plus de 500 millions de dollars, avec déjà 91 investissements réalisés avec des exits qui vont se réaliser dans quelques, dans quelques mois ou, ou vraiment un ou deux ans euh, et donc en fait on, on a une très bonne perspective et on est en train de lancer avec à l'ASF des co-investissements entre business angels privés et l'ASF et ça ça me permet de répondre à la deuxième question parce que les startups tunisiennes sont les bienvenues en fait pour repérer sur le marché algérien Vu qu'il n'y a pas de barrière réellement euh, à l'entrée sur le marché algérien ou au plan administratif, je veux juste rappeler qu'au niveau du Centre euh, national de registre de commerce en Algérie, la première nationalité représentée, c'est la nationalité tunisienne. Les premiers créa euh, associés de, de dans des sociétés en Algérie sont des Tunisiens. C'est même pas des Français ou des Chinois ou des. Ce sont vraiment des Tunisiens. Donc il y a il a déjà historiquement en fait une, une présence économique tunisienne forte euh, des euh, des créateurs des entrepreneurs en fait euh, tunisiens en Algérie. Et donc pour les startups c'est un chemin qu'elles peuvent suivre. Surtout que euh, que ce soit à la SF mais même nous en tant que réseau de business angels on a déjà reçu des projets tunisiens euh, malheureusement dans lesquels on n'a pas mis de l'argent mais qui étaient des c'était inhérent, inhérent en fait au, au projet lui-même. Mais il y a la possibilité pour les réseaux privés et le réseau public de l'agence Startup Fund de mettre de l'argent dans des startups tunisiennes qui opèrent, qui viendraient opérer en Algérie. Très bien.

Ouais. Euh, alors, j'ai envie d'attaquer la partie technique, un petit peu plus technique de, de cette interview. Euh, en tant que business angel, comment on devient business angel Comment on fait pour quelqu'un qui vous écoute, qui, euh, qui, qui se dit ah, ⁇ j'aimerais bien devenir business angel ⁇ C'est quoi un business angel C'est quelqu'un qui a de l'argent de côté, qui, qui, qui veut investir, c'est quelqu'un qui doit se connaître en investissement, c'est quelqu'un qui vient du monde de... ⁇ Voilà, qu'est-ce qu qu'un business angel euh, merci pour la question parce que moi, et, originellement, je ne suis pas business angel, je suis euh, avocat d'affaires. Donc, je n'ai mm -hmm. même rien à voir avec le monde des startups au départ, euh, complètement rien à voir. Je, je me destinais à une carrière complètement différente. Et en fait, bon, on peut être les deux, bien sûr, parce que je, 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 suis je, je travaille en tant que juriste d'affaires dans un cabinet. Et en même temps, euh, je travaille aussi dans le monde des startups où on gère un, un programme, euh, plusieurs programmes d'incubation, dont un dédié 100% pour les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devient business angels. D'abord en fréquentant le monde des startups, parce que en fait, malheureusement, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir dans des startups, mais qui ont des réflexes, j'allais dire, euh, des, des, des réflexes commerçants. Qu'est-ce que j'appelle réflexe commerçants C'est-à-dire, ah, il y a une belle idée, il y a quelqu'un qui a créé un beau produit, une très belle idée. et eh ben, qu'est-ce qu'on va faire euh, Je vais acheter son produit. Donc, je vais prendre 50%, 60%, 80% de la société, ça va être à moi. Alors qu'en fait, être business angels, c'est de comprendre le, la, la mentalité, le mindset de, de, de la startup, c'est-à-dire qu'il s'agit, c'est plus, le, le slogan de Casbah Business Angels, c'est "It's more than money", c'est plus que de l'argent. C'est pas que mettre de l'argent, c'est mettre de l'argent, mettre de son temps, partager son réseau, intervenir dans le management, aider la personne. Donc on met de l'argent. Et on aide la personne à progresser. Pourquoi Parce que si on aide la personne à progresser, donc le projet de start-up à progresser, à la fin, on va avoir un retour sur investissement. Et donc, on devient business angels quand on comprend la mentalité des start-up, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir une participation qui est basse et qu'il faut accepter que ce n'est pas un coût. On ne va pas faire un coût, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un coût financier. On va, il faut se dire que la priorité, c'est d'aider la personne. On va mettre de l'argent pour faire grossir le projet et on va gagner ensemble. C'est-à-dire que. La startup va gagner et on va gagner avec elle. Et le but du business angel, ce n'est pas de rester marié avec la startup toute la vie. C'est à un moment donné, euh, au bout de quelques années, une fois qu'il a estimé qu'il qu n'a plus de valeur ajoutée pour la startup, de sortir, c'est-à-dire de dire, de demander au fondateur de la startup, soit qu'il rachète ses parts, soit de les revendre à un fonds d'investissement qui va mettre encore plus d'argent. Voilà. C'est ça, en fait. Euh, voilà. Comment devenir business angel. Mais ceux qui veulent devenir business angels, et je remercie l'initiative Hello qui a été lancée hier, qui est qui est magnifique parce qu'elle permettra justement à, à, à certains investisseurs qui veulent se lancer dans le business angeling de, euh, de, de voir comment ils pourraient eux-mêmes devenir angels et comment comprendre le, le, le fonctionnement des startups. Eh bien, on devient business angels en fréquentant les startups. Il faut aller fréquenter les startups, aller dans un incubateur, voir comment ça fonctionne pour s'imprégner et ensuite... Mmh pour comprendre comment investir parce que c'est pas parce que vous avez de l'argent que ça veut dire que vous deviendrez business angels mais on a besoin d'argent pour être business, angel. business angels mais on a besoin d'argent de business angels mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pourquoi Justement. parce qu'en en fait il y a des business angels qui investissent très early stage quand on dit early stage c'est à dire au moment où la startup c'est une idée c'est un produit qui est en train tra un prototype qui est en train d'être développé qui n'est pas encore sur le marché et c'est à ce moment là il faut flairer en fait les les bonnes opportunités pour intervenir en amont et mettre de l'argent suffisamment alors quand je dis suffisamment, ça veut dire quoi C'est il faut que la start up sente que l'argent qu'elle met, c'est pas de la charité, c'est de l'argent qui va lui permettre de justement d'accélérer le développement de son produit de son service. À quel stade C'est very early stage. le, le mieux, c'est de commencer very early stage. Et après, il y a des, des business angels qui vont beaucoup plus loin, qui ont beaucoup plus d'argent et qui eux vont mettre de l'argent même dans des startups euh, qui sont, qui ont déjà développé un produit, qui sont sur le marché, qui commencent à générer de l'argent, mais ils sentent que ça va croître très très vite. Qu'il y aura une croissance du chiffre d'affaires exponentielle mm -hmm. et qui mm -hmm. qu vont mettre de l'argent parce qu'ils savent qu'il euh, y aura un fonds d'investissement qui va venir, qui va remettre de l'argent. Ils vont donc diluer leur part dans la start-up et ils vont pouvoir sortir assez vite avec un gain, un gain assez significatif. Mais ça, c'est une minorité de business angels. La majorité mettent des sommes relativement petites, peut-être à 3000 dinars tunisiens, on peut commencer à mettre de l'argent sur 3000 dinars tunisiens. Peut, ça. Vraiment, ça peut aller jusqu'à. Euh, 300 000, 200 000, 300 000 oh, je dinars tunisiens. On parle Tunisien, de, de, voilà. de, 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 de la majorité des tickets. La prix majorité prix, des tickets, c'est les petits tickets, c'est entre, entre 3 000 dinars tunisiens et 10 à 15 000 dinars tunisiens. Ouais. On couvre franchement 80% des startups euh, et, et des besoins. Il et, et, et vaut mieux, moi je donne un conseil ah, aux, ça, à, à à euh, aux investisseurs, ouais. aux business angels. À un stade assez tôt, hein, à early stage. Voilà, early 80 stage. 80 et, et, de, ouais. voilà, et surtout, euh, l'idée, c'est de dire bah, au lieu de mettre 20 ou 30 000 dans une start-up, il, il faut essayer de garder un peu d'argent pour mettre dans 2, 3, 4 start-up, parce que ce n'est pas sûr que vos 4 investissements vont vous rapporter. Euh, vous allez avoir un retour sur investissement, parce qu'à la fin, il faut bien gagner de l'argent. Mm -hmm. Mais euh, ça doit être la conséquence de mm -hmm. ce que vous faites pour la start-up c'est le gain d'argent. Ce n'est pas la cause. Donc à la fin, vous vous investissez dans quatre startups, pas sûr que les quatre euh, vous rapportent quelque chose. Donc euh, peut-être une sur quatre ou deux sur quatre, donc euh, ou peut-être zéro d'ailleurs, mais il faut vaut mieux multiplier ses chances en mettant des tickets plus bas et euh, c'est une stratégie. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi je fais pas ça, je préfère m'impliquer mmh. euh, à 100% dans une startup, l'aider au maximum, c'est un risque mmh. qu'il veut prendre et voilà. الو البيزنس انجل رابيدمون نعمل ملخص مش هذا معناتها البيزنس انجل معناتها الى انترفيان في <applause> اغلب الحالات في مرحله مبكره من حياه المؤسسه الناشئه اون جينيرال الاستثمارات نتاعو تكون مبالغ صغيره وينصح حتى لو كان عنده يحط مبالغ صغيره علاش باش يكثر من استثمارات نتاعو سي فري الريسك يزيد يطلع زاد بتات مش حطو هذا رايي تحط مبالغ صغيره يعني مازلت فيري ايرلي ستيج دونك ما زلت مكشفين بالقداوي ماشي الحكايه مي تنجم تحط في برشا معناتها

il faut se rapprocher des incubateurs ou des réseaux de voilà. business angels. C'est eux qui ont la meilleure capacité de sourcer les startups parce qu'elles ont un staff dédié qui comprend le monde de startups et ouais. ils vont vous éviter beaucoup de risques. Vous pouvez vous le faire de votre côté, mais moi je le déconseille fortement parce que ça peut être la douche froide. وي <applause> دو تو يقول لك دونك يعني اليوم تحب تدخل معناتها لي ستارت اب تقرب من لي تمشي للجمعيات تاع بيزنس انجل معناتها خاطر عندهم عباد ستاف يخدم مع كان على الحكايه هذيا باش يلقى لي ستارت اب وتنظم لابروش نتاعك يفو ميو نو باي وحدك ما كانش تنجم الريسك يزيد يكبر الو parlons un peu côté start-up. Comment une start-up peut lever auprès de angels Aujourd'hui, est-ce qu'une start -up, euh, quand est-ce qu'une start-up, elle peut lever Comment elle peut lever Et est-ce qu'il y a des conditions euh, en, en, en particulier Et puis, si ça marche pas, eh ben, s'ils si, n'arrivent pas à lever, euh, est-ce que c'est la fin du monde Ou, Voilà, c'est voilà, trois, voilà, quatre voilà, questions reste la, pas la, euh, temps, mais... Bah voilà, voilà je, vais, je vais essayer de résumer. En fait... Euh, Déjà les conditions c'est que les, les... moi ce que je conseille aux startups parce qu'il y a des startups qui ont besoin d'argent assez tôt et qui veulent vraiment lever de l'argent mais elles n'ont pas de traction, c'est-à-dire elles n'ont pas de chiffres qui permettent de démontrer que euh, leur produit ou leur service va fonctionner sur le marché. Ce que je conseille aux startups, euh, si elles peuvent attendre d'avoir ne serait-ce qu'un MVP, donc c'est-à-dire un, un produit euh, viable, un prototype, un produit qu'elles peuvent mettre, un échantillon qu'elles peuvent tester sur le marché, et ne serait-ce de rentrer quelques, quelques sous, c'est-à-dire il ne faut pas vraiment euh, rentrer des grandes sommes, mais juste de montrer que ça fonctionne. Ça, c'est euh, le meilleur moment pour les startups pour aller demander à lever de l'argent auprès des business angels parce qu'elles auront démontré que, euh, que leurs produits, leurs services, en fait, il y a des clients qui le prennent, même si c'est très peu de gens et les montants sont petits. Ça, c'est la première chose, premier conseil. La deuxième chose. Pour les startups, euh, les conditions qu'il faut qu'elles remplissent, c'est que les business angels s'intéressent beaucoup au plan financier. Donc, il y a des gens qui vont venir avec un beau business, business plan, euh, des, des belles photos, des belles images. Euh, D'un point de vue marketing, c'est très bien fait. Mais le plan de financement, il est vraiment un peu léger. Moi, je vous conseille de vous faire accompagner par des comptables. Il ne faut pas lésiner sur ça. C'est important d'avoir un financier, quelqu'un qui va vous aider et qui va vous présenter un, un bon plan financier, c'est-à-dire un plan prévisionnel sur un ou deux ans. Euh, parce que c'est ce qui intéressera le plus le business angels à la fin. Maintenant, la troisième chose, c'est si ça ne marche pas. Il y a des startups qui présentent leurs projets à différents, à différents business angels et ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas c Quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas bon. Euh, ça ne veut pas dire que, euh, que ça ne va pas fonctionner. Ça veut juste dire que soit les business angels ne comprennent pas votre produit, soit qu'en en fait, il n'y a pas assez d'informations qui leur permettent de se projeter, donc, de dire est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que, en fait, il faut, pour avoir la réponse à ce que ça va marcher ou pas, il faut tester le marché. Il ne faut pas tester les investisseurs. Et il y a beaucoup de, dans l'histoire, euh, notamment Amazon, c'est très connu pour ça. Il a fait des demandes d'investissement. Il a refusé des, beaucoup de, il a eu beaucoup de refus au début. Et maintenant, on sait ce que Amazon est devenu. Et en fait, c'est le marché qui va. Si le marché répond positivement, même à l'échantillon de test, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et il faut patienter. Euh, et en, en rentrant quelques chiffres et peut-être être, être euh, dans ce cas-là, refaire des présentations en demandant beaucoup moins de fonds, en demandant des fonds un peu plus bas. Et parce qu'à la fin, c'est le Business Angels qui va vous aider. S'il rentre avec vous avec une somme que, qui est moins que ce que vous avez voulu, il va pouvoir rentrer avec vous, avec vous et c'est lui après qui va faire le travail d'aller chercher euh, un autre investissement d'un fonds un peu plus grand ou de Business Angels qui ont plus de moyens. Euh, c'est le conseil que je donne à ceux qui essuient qui des, des, des refus ou des échecs merci à vous Et ça euh, a vraiment m'a vraiment merci pour, pour votre apport à, 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 à cette interview donc euh, je récapitule rapidement euh, brièvement man et

Euh, aujourd'hui startup n'arrive pas à lever a le, 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 le conseil pour, 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 pour une start -up, si je devais revenir sur le dernier point oui. qui n'arrive pas euh, à lever ce pas la fin du monde ce n'est pas la fin du monde il faut essayer de tester le marché pour montrer que ça fonctionne et demander peut-être des montants plus bas et il faut toujours garder à l'esprit que c'est important de faire monter un business angel dans votre projet parce que c'est lui qui va faire ce travail après d'aller chercher l'argent et il est mieux placé que vous pour aller chercher l'argent. Merci Ibrahim Bouaz, cofondateur Maghreb Diaspora Business Angels Network et fondateur de Kasma Business Angel, le premier réseau de business angel au Jézère. C'est un plaisir de vous avoir ici au studio d'ExpressFM dans le programme Startup. Bienvenue dans votre pays. Ah, échec. Et j'espère que, 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 que vous allez investir. Ils peuvent vous contacter facilement, ils oui, vous bien trouvent sûr, sur a... LinkedIn. Ouais, ils vont me euh, sur alors LinkedIn, ça s'écrit vous... B R A H I M espace E M B O U A Z A, M -O -A, -Z -A ça. Et puis voilà. ils peuvent faire casbabusinjust.org, euh, voilà, ouais. c'est bon. le site internet, on a une page Facebook, ils peuvent nous contacter facilement et on a un formulaire de contact. Euh, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Facile. راجعين تو تسويت با ثواني آه معنا نحكي مع الشاب التونسي ناي آه هو يدرس هوني في الجامعة يسري مصمودي نحكيو مع على مبادرة <hesitation> في عالم لونتربونريا تو في برنامج كوستخدام